On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo du 13 mars 2017. On a donc gagné la McLaren de... Non, la McLaren. C'est pas une McLaren, c'est une SS60. La Mercedes-Benz du 8ème de la BMW, celui qui était en motion tête numéro 8. Et maintenant, on va faire donc toutes les courses, puis on va battre la Lexus LFA. Et après, j'aurai fini cette quatrième vidéo. Je sens que ce jeu va aller assez vite au final, même si... Bon, le jeu est fini quand, au final, t'as gagné toutes les voitures, toutes les courses, etc. C'est comme ça que tu finis à 100%. Mais bon, peu importe. Donc, c'est parti. Ok, donc on va aller prendre la course. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Est-ce qu'on fait la facile pour avoir le boost nitro? Ou est-ce qu'on va plutôt faire les pneus slick et le châssis allégé? Moi ça me va. De toute façon, je m'en fous maintenant. J'ai plus une vieille Lamborghini. J'ai une putain de SL65. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc allons-y. Non, parce que si tu veux être bloqué à 150 km/h. À 250 km/h alors que la plupart des autres voitures vont à 300 si tu veux, c'est un peu pénible. C'est pas par là. Hein. C'était pas par là gros. Bah si c'était par là. Mais non c'était pas par là. Bah, attends mais je suis où là? Oh, il manque une étape là. Il y a deux routes qui sont... Ah mais il fallait que je descende là, ok. Bon débile. Mais allez, tu vas y arriver. Très bien. Allons-y. Pardon pour cette petite cette petite erreur de conduite. Allons-y. Ok, ça c'est plus... Je vais pas vous mentir, c'est plus agréable à conduire. L'accélération est beaucoup mieux. Et franchement, ça se manie beaucoup mieux que la Lamborghini. C'est tout. C'est comme ça, tu vois. Et je parle de cette Lamborghini parce que par contre, enfin la vieille que j'avais. Parce que par contre, genre les autres Lamborghini, la Gallardo particulièrement, et la. Enfin, ça commence par un M. Je sais plus laquelle c'est. Bref. Bref, la Lamborghini la plus forte du jeu là. La plus récente donc. Est super bien à conduire. Bon, le problème c'est qu'elle se fait carrément griller par la Bugatti Veyron à la fin. Mais bon. C'est pas grave. C'est quand même super agréable à conduire. Est-ce que je pourrais des fois regarder la route au lieu de regarder partout quand je parle? S'il vous plaît. Parce que là je perds un temps fou. Je sais pas combien de points il faut que je gagne, mais il faut quand même que j'en gagne quelques-uns. Si je perds trop de temps, ça va pas être possible. Enfin pas être possible, je vais finir par le faire, mais. Comme d'hab. Réussir à avoir la. Attends, une voiture là. Réussir à avoir la. À vaincre le mec Ah, le numéro 9, 8, 7, 7. Mais putain. Je suis trop perturbé dans ma tête, sérieux. Oh, vaincre le numéro 7, donc je disais à la fin de cette vidéo. 41 000 points il me faut. 41 000 points. Franchement ça se fait. Franchement ça se fait aisé. Aisé. C'est une embuscade? C'est une embuscade, c'est cool. J'aime les embuscades. En tout cas, c'est paisible. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais poursuivi par des voitures de police qui faisaient des ronds. Et c'était beau. Salut! Bon! Eh ben, écoutez. Allons-y. 209 km par heure. En fait, on s'en fout. On va pas regarder du tout combien on fait en km par heure. Tout ce qui importe, c'est qu'on fasse une course parfaite. De toute façon, si on fait ça, on va forcément gagner. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok, on prend la tangente en large. On redrift un peu pour reprendre le contrôle. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Il y a les voitures et les voitures. Attention, attention. Là, il y en a deux vers la droite, il y en a une en fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le large. Voilà. Comme ça, ça nous évitera de nous les prendre. Attention. Checkpoint là. Il y a un fourgon là, on va prendre vers l'extérieur. Traîner un peu. Non ! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et voilà, ben voilà. Tranquillement. Il suffit de se concentrer sur la route.
de regarder ce qu'il y a au loin et d'éviter les voitures. Sans plus de pression que ça. Tout est facile, tout va bien. C'est bon. Bon, ok, j'avoue, je l'ai refait au moins 4 fois. C'est pour ça que je dis que tout va bien, parce qu'en fait, tout ne va pas bien du tout. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je suis quand même content d'avoir réussi ça. Alors, la prochaine course, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant qu'on a ça? Il nous faut le kit aérodynamique et la boîte haute. Attends, on vient de prendre quoi, là? Est-ce qu'il nous faut le kit aérodynamique? Oui, il nous faut le kit aérodynamique, de toute façon. Aérodynamique. Pour ce circuit. Commencer la course. Ah non, je peux commencer la course direct sans y aller. Sans faire de... Ok, bah, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je pensais que chaque course était spécialisée à chaque voiture, mais en fait, il s'avère que, bah non, du coup. Et il me manque 28 000, donc 12 000 plus 2 000, ça fait 24 000. Il faudra que je fasse au moins 3 courses pour après faire la course contre le Most Wanted. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? C'est juste avant le... Ah mais on l'a déjà fait celle-là. Et du coup on retombe sur la même course que tout à l'heure, mais avec une meilleure voiture. Ce qui fait que tout va bien. Et on est premier dès le début. Mais c'est pas génial ça. Ah, j'aime quand la chance me sourit. Bah écoutez, ça, comme ça on va bien voir que la preuve en est, avec une bonne voiture, c'est bien plus simple de gagner. Ok, là il y a un virage un peu serré. On va devoir drifter. Sans se prendre les voitures qui arrivent devant, bien entendu. Là, hop. On tourne tranquillement. Et hop. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Même pas besoin de drifter pour passer ce virage. Ok, bah pour l'instant, écoutez, ça se passe plutôt bien. Je me suis pas pris d'accident, je conduis pas trop mal. On se concentre bien sûr sur la course et non pas sur la position. C'est le seul moyen de gagner tranquillement. Un petit truc des familles. Hop. Frein à main, comme ça on prend le virage bien comme il faut. Aïe, 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 aïe. Mais non, mais si je me prends tous les poteaux aussi, ça va pas le faire. Tu vois là? Tu sais pourquoi je me suis pris tous ces poteaux là? Parce que j'ai regardé le GPS pour voir où était l'autre derrière moi, tu vois. C'est un truc qu'il faut absolument pas faire. Tu connaisses la route. Et que tu regardes juste genre pour voir où seront les virages serrés, etc. Bon, le mieux c'est de connaître la route, la course. De connaître la course et de savoir quand est-ce, sans jamais regarder le GPS en fait, parce que c'est un piège. Si tu regardes, tu peux pas savoir ce qui se passe devant toi avec la vitesse à laquelle ça va. Il suffit qu'il y ait une voiture qui arrive d'un coup et puis boum, t'es baisé quoi. T'es baisé. Et du coup là, vu que je me retrouve vraiment sur la course, eh ben, j'ai aucun problème. Je reste premier, mais c'est normal. Parce que je m'en fous d'eux en fait. Je sais au fond de moi que je vais gagner. Donc, de toute façon, si je fais tout correctement, je suis censé gagner, c'est le jeu, tu vois. Sinon ça n'a aucun intérêt. Si tu fais tout correctement mais que tu perds. Aïe. Et que tu fais de la merde comme ça, juste avant l'arrivée, hein. Ça va pas, mais c'est pas grave. Parce qu'au final, eh ben on a gagné quand même. Excellent, je suis excellent. Pardon. Non, c'est mes chevilles en fait, elles grossissent trop et après ça me fait mal. Et du coup, faut que j'arrête quoi. Bref. Eh bien, écoutez, c'est cool tout ça. On va appliquer tout ça. Et maintenant, on va faire les coups suivantes. Bon, d'abord, on va se barrer parce que sinon. Sinon, les flics vont nous casser les nœuds. Ça devrait pas être trop dur logiquement. Tu vois, elle est pas bloquée à 250. Elle arrive à 250 dans sa vitesse normale, tu vois. La vitesse de pointe, ça va plus à 300. À 330, tu vois. Merde, je regardais ma vitesse. Quel con. Bon, du coup, je l'ai bien défoncé quand même. En soi. Et ben, barrage juste tout moyen. Bon, pour l'esprit, on va passer par là. On va passer par là et normalement ça devrait être bon. Allez, hop, nickel.
Après, pour la course d'avant, j'aurais éventuellement pu passer par là. C'était tout calculé, histoire de pouvoir faire ça, et de me poser là, et d'attendre tout simplement que la poursuite soit gagnée. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est beau la vie. Bon, alors du coup, il me manque deux courses juste. Qu'est-ce qu'il me faut? L'overboost. Oui, l'overboost. On veut l'overboost. Ah, je n'ai pas trouvé cette course. Ce n'est absolument pas une course que j'ai déjà faite. Donc, allons-y. 5 km. Putain, c'est méga loin. C'est méga loin. Et boum, l'accident. Et là, on en profite. Parce qu'on s'en fout. On n'est pas en course. Donc, on fait c'est juste ça parce que voilà, on veut changer la couleur de notre voiture et que autant dans ce cas-là. La mocher un peu quoi, sinon c'est dommage, tu payes pour rien. Tu vois. Ok, dans le jeu c'est gratuit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est là pour profiter, enfin! On est là pour dire de la merde, tout simplement! Pas toujours tout prendre au mot. Bande de. D'homophobes. Oui! Exactement. C'était une magnifique, magnifique blague. Je vous emmerde et je rentre à ma maison! What the fuck? Comment? Ça, c'est de la perte de temps, de la vraie. Vous savez, c'est. C'est qui sert à rien, quoi. C'était juste là pour te casser les couilles. Yahoo! Boum! Oh, j'ai presque même pas eu besoin de. Alors là où il y a une voiture, je sais pas si je l'ai déjà découverte. C'est la petite voiture qui nous a gagné tout à l'heure, là. Bon, ok, c'est vrai que je mets pas les. Je mets pas les courses quand je perds. J'avais oublié ce détail. C'est la petite voiture qu'il y avait juste avant. Juste avant dans la course, juste avant. La toute petite voiture qui était toujours devant là. Bah, celle qui. Salut! Hey, j'ai dit. Salut! Putain. Vraiment leur foncer dedans pour les trouver ces voitures. N'importe quoi. Je les trouve combien? 23 sur 123? Bon, c'est pas si mal. On manque plus de sang, ça va. Ah, enfin on va pouvoir changer la couleur de notre voiture. Excellent. Et je me souviens de cet endroit, c'était une autre course. Et en plus on a du blanc, c'est parfait, moi j'aime le blanc. Ah bah c'était là. Eh oh, bah, au final c'était pas si loin que ça. Je pensais que ça prendrait plus longtemps, mais en fait bon ça va. Ça va, Imhotep. Ok, donc on va avoir l'overboost, à partir de là ce sera cool. Bienvenue dans le monde où tu peux faire de l'argentique partout. Je fais référence aux salles rouges, sauf que bon là il fait quand même jour donc ça sert à rien parce qu'il y a quand même de la lumière mais. Comment dire? Je vais m'arrêter là, tout simplement. Ok, donc là faut qu'on la défonce et on a deux tours. Très bien. Très bien, il y a du monde hein. Putain. Toi s'il te plaît. Merci. Et de 1. Et de 2. Un petit drift de famille pour doubler tout ça. Et de 3. Salut. Et de 4. Ah. Et de 5. Ah. Et pas du tout de 4 de 4 de 3 de 2. Comment perdre son avance? J'aurais bien aimé genre faire toute la suite et arriver premier à être là. Et le 1. Trop facile. Youpi. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Wouah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Genre les expansions, ils se sont dit vas-y, on va faire comme dans les films avec les gangsters. On va sauter et voilà. C'est quoi? Ah pas toi. Ok, ça tourne un peu mais ça va, pas forcément besoin de drifter. Pas non plus. Juste défoncer les voitures. Ah, elle est solide cette caisse quand même. Ah ouais. Je pensais que la Lamborghini était vachement solide mais en fait pas trop. Comparé à celle-là. Mais... Rien à voir. Rien à voir. Bon l'autre a un peu d'avance mais je pense qu'on peut le rattraper pas trop difficilement. Surtout qu'en plus cette course est super longue en fait. J'ai même pas fini le premier tour. Encore. Je vais pas tarder, voilà, ça va. Ah merde!
Bon, j'ai pas vu qu'il y avait un barrage parce que je regardais la carte. Et au final, bah, je suis passé quand même. Mais j'ai perdu un peu de temps. T'assois, toi. Tu vois, avec une voiture, là, je me serais fait défoncer au final. Le petit drift qui va me permettre de le doubler, lui. Et de rattraper mon retard. Tout va bien. Salut. Et 2-1. Et voilà. Et voilà. Je me reprends ça encore une fois. Je le fais exprès en fait. C'est genre, non, c'est trop facile, on va se mettre un petit handicap, sinon c'est pas drôle. Eh connard, mais on va pas dans le décor. Moi je suis bon sur la route, pas sur leur piste. Ça me fait perdre ma stand d'être sur leur piste. Bon bah là les suspensions ont pas fait n'importe quoi, donc c'est cool. Et je repasse premier tranquillement. Sans pression aucune, nous allons gagner cette course. Pas besoin de drifter. En fait, quand tu driftes pas, tu perds de la vitesse quoi. Genre, c'est presque ridicule. Je sais pas si ça marche pareil avec des vraies voitures, mais. Je drifte pas trop en général quand je conduis. Tu vois. Je suis plus en mode. C'est de respecter le code de la route, tout ça, tu vois. Je crois qu'on s'en tape. Je sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, moi je m'en tape de ce qu'il dit. Évidemment qu'on est fort. On est l'élite. L'élite de la nation. Et l'arrivée est là, et c'est gagné, tout simplement. Sans pression aucune. On s'est pris deux accidents, et au final, on a gagné. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une voiture correcte. Tu vois. Putain. Bon, plus qu'une course, et je peux battre la McLaren MP4 12C. Attends, mais c'est... Je suis pas censé battre la Lexus. What? J'ai déjà battu la Lexus. Ah mais c'est bon, j'ai 315 000. Ok. Ah bah oui, parce que du coup avec les barrages forcés et tout ça, j'ai dû gagner 2-3 000 en mode sans m'en rendre compte en fait. Avec plus les takedowns, etc. Ok, c'est pour ça. Très bien. Eh ben écoute, c'est très bien tout ça. C'est très bien tout ça, on va pouvoir aller faire la consommation direct du coup. Tout ça me fait gagner quoi, on s'en fout. Ça on s'en fout aussi, boîte longue, châssis mix, on s'en fout de ça. Ok, bah allons défoncer l'autre pédale. Pardon, excusez-moi, je ne veux pas dire ça. C'était complètement bouffable, je rappelle. Allons juste défoncer l'autre con. Voilà, c'est mieux ça. Et un petit accident pour finir une course, toujours, hein, parce qu'on aime bien. C'est histoire notre petite signature, quoi. Faut dire, on a gagné. Regardez-moi voler avec ma voiture. Calme, buddy. Tout va bien. On maîtrise la situation. Oh putain, c'est slalom quoi. Même moi, je m'attendais pas. Bon, il me dit qu'il peut appuyer par là. Donc allons-y. C'était juste pour faire genre. On va aussi réparer notre voiture. Et mettre un petit gris sympa. Moi, j'aime bien. Mais quand vous l'aurez pas compris, je suis plutôt dans les couleurs ternes en général. Aïe. Putain. Allez, elle était neuve. Elle était toute neuve, ma voiture. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, je voulais découvrir la R8 que j'ai déjà découvert. Donc en fait, ça sert à rien. En fait, c'est ça qui m'a perturbé. J'ai vu la voiture, je me suis dit tiens, je vais me rapprocher pour essayer de. Bah, pour la découvrir, quoi, tout simplement. Et au final, ça m'a fait rapprocher du mur et après, j'ai perdu contrôle. Et je dis pas que j'aurais pas pu faire mieux, mais j'ai eu des circonstances atténuantes. Ok. Bon, on va quand même garder la couleur grise parce que d'après ce que j'ai compris, quand tu commences une course, apparemment, ta voiture se fait réparer toute seule. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt agréable. Salut les gars. Du coup, je suis pas vraiment sûr que c'était plus rapide par là. Hein, parce que là, il faut prendre une route. J'ai pas du tout regardé le kilométrage en fait. J'aurais peut-être dû. Bon, du coup, ma voiture est complètement défoncée. Mais, qu'est-ce qu'on vient de dire? Hein? Espèce de mémoire instantanée de mes couilles qui marche pas.
Mais c'était pas grave parce qu'on allait commencer une course et que du coup ma voiture allait être réparée. Putain, merde. Bon, c'est la soirée des gros mots, je suis désolé. La vulgarité avant tout. Oh mais non, mais me commence pas une poursuite maintenant là, c'est ridicule enfin. Déjà de 1 tu vas pas me rattraper. Et de 2 tu vas pas me rattraper. Ça sert à rien. Les recherches sont suspendues, on a dit l'autre voiture là. Je vais prendre un accident. Voilà, vous savez, j'ai vu venir. L'aspiration de la voiture plus moi qui arrive très vite. C'était obligé que je me crache. Tout ça à 0,4 km du départ de la course. Bordel de cul. J'aime bien cette expression. Bon, les verres pourquoi j'en sais rien, mais j'aime bien. Ok, regardons la petite cinématique du début des courses motion titres qui sont quand même assez stylées. Je dois avouer que c'est bien sympa tout ça. Nvidia. Même si je suis pas forcément fan de la voiture en elle-même, je trouvais que l'autre était plus, bah, c'était plus dans les animations triangulaires. Ça, jamais. Oh, l'arrière est sympa par contre. Je dois avouer. Aïe, merci gros, tu viens de me donner un boost. Je dois avouer que l'arrière de cette voiture est sympa. Salut gros. J'aimais bien ton arrière, mais malheureusement pour toi, fallait que je me prenne un camion. Du coup, voilà. C'était juste pour dire, hey, regarde, je peux te doubler. Je peux aussi me prendre un accident juste après. Et après, je peux te redoubler. C'est une course de 8 km, donc j'ai largement le temps. Comment je l'ai défoncé, sérieux. C'était énorme. Ah ouais, je pense qu'on peut dire ça actuellement. Je conduis vraiment comme un dingue. Je roule pas n'importe comment, gros con. Ah bah non. Bah disons que le touriste il a déjà fait 10 000 fois le tour de la ville, donc je sais pas vraiment si on peut appeler ça un touriste. Ok, oh non, je vais prendre l'accident. Je savais. Oui, mais fallait pas que je passe à gauche parce qu'à gauche il y avait les Hers. Et les Hers c'est mort, tu vois, moi je ne prends pas les Hers. C'est une blague. Ah, mais attends. Je rêve ou je me suis pris une Hers. Et au final, ça a rien fait. C'est une blague. C'était pour freiner parce que. Fait que je tourne et j'avais pas vu, du coup, c'est mieux comme ça. Bon, mais j'aime bien le plus cette voiture, du coup, je vais rester derrière juste le temps que. Juste à. Le temps de la course, à la fin, je le doublerai, quoi. J'aime bien ton cul. Ah, pardon. Bah, je crois qu'elle a pas aimé, hein. Elle est partie en courant, quoi. Oh, la Hers. C'est par là. Ouf. Oh bordel de merde. C'était plutôt violent ça. Ah, je te retrouve. Mon petit fessier favori. Qu'est-ce que tu fais à ralentir comme ça? Mais ralentis pas, sinon je vais te doubler. Oh là 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 là. Désespérant ces gens-là. Bon, en tout cas, je ne prendrai jamais cette voiture parce qu'elle est beaucoup trop lente. Hein. Ça, c'est sûr. Il reste 2 km. Bon, ben, du coup, c'est le moment où il va falloir arrêter de se prendre des accidents parce que sinon, on va finir par perdre avec ces conneries. C'est pas l'air, ça, c'est un barrage, on est d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Et on va tout simplement finir à une main, tranquillement, sans pression aucune. Wouhou! Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de mettre l'arrivée juste en dessous. Histoire que si t'arrives trop vite, tu te prennes le truc. Et c'est excellent. Oh putain, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Bon, bah maintenant, on va prendre sa voiture, même si je la veux pas. Elle est quand même stylée, donc. Tu peux accélérer, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. On me dit quand même que j'ai eu un accident. Comme vous. Tu aurais pu me dire ça, genre. Juste avant. Histoire que... Que je perde pas la voiture avant même d'avoir commencé la course, quoi. Bon, bah, du coup, il va falloir que je la trouve maintenant. Excusez-moi, pardon. Je fais que passer.
Comment est-ce que je vais faire pour la trouver? Comment est-ce que je vais faire pour trouver cette voiture? Je ne sais pas du tout. Elle va finir par apparaître devant moi à un moment donné, comme avec la McLaren tout à l'heure. Moi, je vais me prendre un accident et là, elle va être là. Oh, salut! Je me disais qu'il fallait qu'on se fight tous les deux. J'avais pas pris assez cher dans les fesses. J'en veux encore. Bon, bah écoute, je vais me balader. Peut-être qu'à un moment donné, on va la trouver. Hein. De toute façon, je vois que ça. Je vois que ça à faire. Ce qui est bien, c'est qu'ils me mettent que les couleurs que j'aime bien. C'est pas mal, je trouve. Du blanc, du noir, du gris. Moi, ça va, j'aime bien ce qui est un peu terne. Un peu simple. Ah, elle était là-bas. Je l'ai vu. Wouhou! Je t'ai vu. Bon, en fait, je crois que dès que tu te prends un accident, elle réapparaît. Ça doit être ça, hein, parce que là, je l'avais vu. Et après, juste après, elle a disparu. Du coup, je sais pas, ça doit être ça, non? Je sais pas du tout par où elle est partie, mais bon, c'est pas grave. Hein. Que sneak pro. Putain, je gagne des trucs, je sais même pas comment ça va. Mais je me prends des accidents exprès, histoire de peut-être de voir si elle peut pas réapparaître à un endroit ou à un autre. Éventuellement. Ah bah écoute, ma théorie, ça a l'air d'être bien de la merde. Hein. Parce que moi, je la vois toujours pas. Allez, s'il te plaît, viens ici, fais pas la cachotière comme ça, là. Tiens, ça s'est viré tout à l'heure. Aïe. Ah putain, mais il y a trop d'informations sur l'écran aussi. Sur l'écran, tout ça. Ah bah voilà, tu vois quand je te disais, j'ai pris un accident et là elle a réapparu. Du coup bah on va aller dire bonjour à papa. Viens dire bonjour à papa. Du coup c'est, maintenant c'est le moment où il faut pas que je me prenne d'accident. Sinon ça n'a pas de sens. Boum. Et voilà, easy molly. Et hop là, wouhou. Attends, juste un coup, pour le fun. Avec la petite musique classique qui passe en... Putain, mais ce jeu, je sais pas, il y a plein de trucs qui apparaissent des fois comme ça. C'est juste beaucoup trop beau. Bon, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour la suite de cette vidéo, pour le défonçage de tête de la McLaren MP412C. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a pas plu, eh ben tant pis. Il y en a plein d'autres des jeux, j'ai plein d'autres jeux sur ma chaîne, donc vous voulez d'autres, vous voulez regarder les Let's Play et que vous voulez d'autres jeux, bah, vraiment plein de trucs, quoi. Donc voilà, bah écoutez, à la prochaine, et salut !